Bonjour à Nadine Schenker, esperta de Kabbalah, enseigna art à Kabbalah et l'art à l'université à Jérusalem. Et on commence sur cette matière complexe et infinie par une question très simple alors, pour l'introduire, c'est-à-dire quelle est l'actualité de la Kabbale aujourd'hui, avec cet état des Alors, sciences, actuellement, la Kabbale renaît en flèche non seulement en Israël, mais en Europe aussi, et même en Amérique. Parce que maintenant, finalement, étant donné que les gens ont fini par comprendre que la Kabbale, c'était 28 volumes, enfin 5000 œuvres, 5000 œuvres, mais le Zohar en particulier, qui est l'œuvre maîtresse de la Kabbale, et l'œuvre référentielle, le 28 volumes, bien entendu, tout est relationnel dans la Kabbale à un point, comme c'est à la fois la philosophie, la physique, la métaphysique, la sémantique, la sémiologie du judaïsme. Il est normal que maintenant tout le monde s'y intéresse. Bien que, étant donné qu'elle est écrite en araméen et en hébreu, étant donné que c'est d'une très grande complexité, puisque ce sont des jeux, des associations avec la langue hébraïque. C'est normal que on étudie cette science uniquement dans la langue où elle a été écrite. oui. C'est pour ça qu'il est difficile de l'étudier dans une langue autre que l'hébreu. On peut comprendre évidemment beaucoup de choses par tous les livres qui sont publiés, mais je veux dire, aborder le Zohar seul dans une langue qui n'est pas l'hébreu, c'est presque impossible. Oui, C'est comme faire du Talmud. il faut au moins avoir les textes à front. Mais... Oui, absolument, absolument, absolument. Absolument. Donc voilà, si tu veux, c'est ça, la question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la Kabbale, qui comporte 5000 livres, comme on l'a dit tout à l'heure, entre le 2e siècle et le 20e siècle, s'est déroulée, justement, et quelle est la métaphysique, la poésie et l'astrophysique du peuple juif? Oui, une domanda. Et comment il a eu cette émergence au XIIIe siècle? Comment, après tous ces siècles, disons, des silences autour de la Kabbalah et qui était, comment dire, une expérience seulement juive, il y a cette émergence, disons, en Europe de la Kabbalah? Écoute, c'est très. En vérité, les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi. La grande Kabbale de Rabbi Ben Uziel, qui sont des gens du Talmud, de Yohanan Ben Zakkai, qui sont des gens du Talmud, de Rabbi Akiva, qui a enseigné à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le grand héros, si tu veux, de la Kabbale, il y a un silence de 1000 ans, et on retrouve cette Kabbale, comme tu as dit, au XIIIe siècle, en Espagne, à Gérone, avec des dizaines et des dizaines de noms. Et même celui qui a finalement rédigé tous les manuscrits et les a mis ensemble, qui est Moïse de Léon. Bien. Maintenant, ensuite, elle remonte à Safed, en Israël, au XVIe siècle, avec Cordovero, le Hari et toute son équipe. Ensuite, elle va vers l'Europe, avec le Baal Shem Tov, le Rav Nachman de Breslav, le Schneur de Lahti, le Gaon de Vilna et les très grands kabbalistes d'Europe. Et ensuite, elle revient en Israël maintenant. Voilà, c'est à peu près le tour de ce qui se passe. Maintenant, pour te dire pourquoi ce silence, je pense que pendant ce temps-là, la kabbale continuait dans tous les groupes. C'est évident, elle continuait, mais sans aucun texte paru. Par exemple, on se rend compte qu'au XVIIIe siècle, on a un très grand kabbaliste et une très grande école chez vous en Italie, Oui. à Padoue, avec Luzzatto, qui a écrit des pièces de théâtre, qui était philosophe, qui était peut-être le plus grand kabbaliste avec le Hari du XVIIe siècle, du XVIe siècle à Sfat. Et au XVIIIe siècle, cet homme-là a vraiment opéré une résurgence de la kabbale, parce qu'il était à la fois poète, philosophe, kabbaliste, etc. Donc, pour répondre à ta question, nous n'avons aucune indication formelle de ce silence pendant 1000 ans.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne s'est jamais interrompu. Il y a toujours eu des sages pendant tout le Moyen Âge, sans arrêt, qui ont parlé, qui se sont écrits des lettres, des responsa, des questions. Les textes ont continué à circuler. Et c'est pour ça que, à Gérone, dans toute cette pléiade de kabbalistes, Moïse de Léon a ramassé tous ces manuscrits et qui les a mis dans les 28 volumes que nous avons aujourd'hui. Oui, il y a, et c'est au croisement de la Renaissance aussi qu'il y a cette émergence, mais il est avant cela, parce que peut-être, bon, nous, on a eu un grand lecteur de la Kabbalah reconnu en Italie de l'époque, a été Pico della Mirandola. Bien sûr, il y a une cabale chrétienne qui est extrêmement développée et très intéressante, c'est certain. Surtout à l'époque de la Renaissance, elle a recommencé. C'est normal, puisque les gens s'intéressaient 10 fois plus à la créativité artistique, aux sciences. Quand tu lis les écrits de Leonardo, tu vois très bien cet intérêt multiple pour des centaines de choses, c'est exactement la cabale. La cabale s'intéresse à tout. À la physique, à la création, à l'astrophysique, à la psychologie, à la sémantique. Et c'est ça qui a fasciné les gens de la Renaissance, à mon avis, comme Pic de la Mirandole. Oui, on peut faire encore une différence entre, disons, or, soit la Kabbale, soit les deux Midrash et les deux Talmud, ce sont des lectures de la Torah, soit de la Toutes Torah les... écrite, soit de la Torah littorale. Mais qu'est-ce qui est. Là où tu parles même des savants, des scientifiques, des astrophysiciens. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui, comment dire, une cabale laïque aussi, une cabale qui n'emploie pas cette façon de lire, si je peux dire ça, autour des textes sacrés, mais, je ne sais pas, l'astrophysicien autour de ces textes de physique. Oui, mais c'est certain. C'est-à-dire que, mais bien sûr, mais il n'y a pas de cabale laïque et de cabale sacrée. Il n'y a pas de cabale laïque et de cabale sacrée. La cabale ne rentre pas dans les détails. Ce n'est pas une. D'abord, la Torah n'est pas une religion. Les textes sacrés, c'est un mot qui est faux chez nous. Pour la bonne raison que c'est un texte qui parle de tout, qui parle de la paix, qui parle de la guerre, qui parle des mariages, qui parle des divorces, qui parle de la justice, qui parle de tout ce qui existe sur la face de la terre. Donc, dire que c'est sacré, c'est pas du tout comme les textes, si tu veux, des évangiles ou bien du Coran. C'est pas du tout pareil. C'est un texte qui, le Talmud n'est pas un texte sacré. C'est une dialectique entre 10 personnages ou 100 personnages de divers rabbins qui discutent sur une dialectique d'une très grande puissance, comme j'en ai rarement vu dans ma vie, puisqu'ils vont jusqu'au bout de l'ultime de la pensée, mais les versets sont un prétexte. Le texte de la Torah est un prétexte à la dialectique. Ils ne cherchent pas du tout de sacré là-dedans, c'est pas du tout ça. Donc il n'y a pas de cabale laïque, il n'y a pas de Talmud laïque et religieux. Rien n'est religieux en vérité, rien n'est religieux. Parce que le judaïsme que on croit être religieux. En réalité, c'est une pensée totalement sur la vie et ce n'est pas du tout une pensée sacrée. C'est ça le problème. Bien que tu aies le mot Dieu à chaque page de la Torah, en réalité, Dieu est une abstraction totale. Comme a dit Edmond Jabès, le livre, la Torah, le livre avec un L majuscule, c'est l'absence de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu est une abstraction chez nous, totale. C'est l'infini, tu comprends le problème. Alors, dans la Torah, évidemment, tu vois qu'il parle, il décide, il donne, il suggère. Mais tout ça, pour les Juifs, c'est une abstraction totale. On ne sait pas qui c'est l'infini, point. Oui. Donc tu vois qu'on n'a pas du tout la même relation. Si par exemple, vraiment, le christianisme est une religion, ou l'islam est une religion, le judaïsme est une manière de vivre. Ce n'est pas du tout une religion. En faire une religion, c'est déjà fausser complètement le problème. C'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que la nature et l'homme, la nature, toute la nature et l'homme sont un texte. Et le Zohar, c'est l'analyse et le commentaire de ce texte.
comme on a dit tout à l'heure. La vie C'est-à-dire comme qu'on texte. analyse, La la vie vie est un texte. divine comme texte. La vie est un texte, un testo. Et le Zohar, pour le Zohar, il n'y a pas de signe artificiel et d'une chose signifiée. Mais l'un et l'autre sont à la fois des réalités et des signes. C'est-à-dire que la réalité suprasensible et la réalité sensible sont exactement la même chose. C'est la même chose, c'est dans les mêmes termes, c'est avec les mêmes associations. Alors, au fond, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de Dieu dans le Zohar. Dieu, c'est le Ein Sof, Ein Sof. Pas de fin, l'infini. Il n'y a rien d'autre. Et nous sommes tous une parcelle de l'infini, ce qui explique le génie des mathématiques. Parce que tu ne peux pas comprendre les mathématiques si tu ne comprends pas que nous sommes une partie de l'univers, comme a dit Einstein. Parce que la physique se rapporte à la réalité, mais les équations mathématiques, elles sortent directement du cerveau humain. Comment se fait-il? C'est totalement abstrait. Les mathématiques sont une création du cerveau humain. Si nous n'étions pas, si notre cerveau n'était pas une partie de l'univers tout entier et de sa texture, il n'y aurait pas de mathématiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les mathématiques, qui sont le cerveau de l'esprit humain, expliquent la physique qui, elle, se rapporte à la nature, et les lois sont les lois de la nature. C'est ça qui est absolument la grande, grande interrogation que se posent des gens comme en Angleterre, comme Penrose. Penrose, c'est un des hommes, un des mathématiciens, physiciens les plus célèbres. Et sur YouTube, tu verras des vidéos sur qu'est-ce que la mathématique et d'où vient-elle. Donc tu comprends. Donc il faut comprendre que le Zohar, c'est un livre où l'abstraction et la réalité sont totalement mêlées, totalement mêlées. Il n'y a aucune différence dans le texte entre le sensible et l'abstrait. Tout est un produit d'association infinie qui t'emmène dans des chemins multiples. Autant de galaxies qu'il y a dans l'univers, autant de chemins il y a dans le Zohar. C'est-à-dire des milliers, de milliers, de milliers. Chaque texte est une ouverture sur des millions de problèmes. Et en réalité, ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est la grande idée de Spinoza, c'est que la matière et l'esprit sont interchangeables. Il n'y a pas de matière et d'esprit, c'est-à-dire que la matière, ce qu'on appelle en hébreu le chomer, la matière, les atomes, les molécules, sont en fait des idées. Aujourd'hui, avec la physique quantique, nous sommes arrivés à l'idée. Donc c'est la grande idée du Talmud et du Zohar. Même la matière, c'est avant tout une idée. C'est difficile à comprendre, mais c'est très important à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la matière, tu comprends? En Occident, on a un problème très sérieux. Dans la philosophie occidentale, on a un problème très sérieux. Il y a la matière et il y a l'esprit. Bon, c'est Descartes qui a introduit cette dualité terrifiante. Ça Oui. n'existe pas dans le judaïsme, ça n'existe pas dans le judaïsme. Ça n'existe pas. L'esprit, c'est la matière, et la matière, c'est l'esprit. Tout ça, c'est complètement un. C'est un. Un. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment tout ça, c'est un. Le cosmos, c'est un. Et c'est un travail de la langue et dans la langue aussi. Voilà, un travail colossal dans la langue, parce que justement, la langue, c'est justement quoi, au fond? C'est quoi la langue? Toi, tu es bien placé pour savoir, parce que tu es justement l'homme de la langue. Qu'est-ce que tu dirais sur la langue? Comment tu la définirais, toi? La langue, c'est quoi pour toi? C'est un terrain, c'est un. Moi, j'ai pas les mots base. Disons que la langue est la vague dans laquelle nous voyageons. Voilà, par exemple, c'est beau, c'est très beau comme idée. Oui, c'est la langue, exactement, la vague dans laquelle nous voyageons. Et donc. Voilà, lire les textes, c'est faire du surfing. C'est faire du surfing sur la crête de la vague. Et on les fait avec des mots parce que on parlait
de la structure même de l'alphabet hébreu. Et moi, je vais à lire dans le peu de mots que j'ai lu, je vais à lire cette, si je ne me trompe pas, R, M, que ce sont les deux consonnes qui donnent, selon la traduction, que le serpent soit nu ou soit astucieux. Exact, arum, c'est ou nu ou le serpent, exact, rusé. Rusé ou, pas le serpent, c'est rusé. Ou nu. Et, oui, j'avais retraduit de l'italien. Oui. Et donc, disons, cette liberté est là. La liberté est de la parole, comme propriété de la parole et non comme propriété supposée des humains. Qui alors pense de pouvoir faire ce qu'il veut de la parole, d'endiguer la vague de la parole. Oui. Nous sommes confrontés avec cette R, cette M, et ça nous donne une lecture, une autre lecture encore. Il y a des gens qui ont lu ça comme ils ont fait ça, oui, ils ont fait une religion animale, que c'est impossible. Oui. C'est-à-dire, les zoophytes, non, ils ont fait une religion du serpent. Ils ont pris le serpent comme en tant que tel, je ne sais pas comment dire. Là oui, où... oui, mais le problème, je vais te dire, le problème, voilà, dans la Torah, tu as un moment donné où Moïse rentre dans le palais du pharaon et qui jette son bâton qui se transforme en serpent. Ça veut dire quoi? Il faut traduire tout ça. La Torah ne peut pas être lue littéralement, c'est absurde, tous les savants l'ont dit. C'est-à-dire que le bâton, c'est la logique, l'esprit logique, et le serpent, c'est l'inconscient, totalement l'inconscient. Donc, tu as le bâton et le serpent, tu as l'inconscient et le conscient. C'est-à-dire que finalement, c'est pour ça que le mot « arum », « arum » en hébreu, « arum », ce n'est pas le serpent. Arum veut dire, c'est un adjectif, il veut dire nu ou il veut dire rusé. Voilà. C'est ça qui est intéressant, rusé. Maintenant, ce qui est important de dire dans ce dont on discute en ce moment, c'est que contrairement à toutes les langues où les lettres ABCD, ABC sont des signes linguistiques, pas plus. Dans la Bible, c'est pas du tout pareil. Dans la langue hébraïque, Les lettres sont les atomes de la création. Les lettres sont les atomes de la création. Les phrases sont les molécules. Tu comprends? C'est ça la différence. Alors, par exemple, je te donne un exemple. Les lettres ne sont pas des signes linguistiques. Ce sont des forces spirituelles qui sont incrustées dans leur support matériel. C'est-à-dire, par exemple, si tu dis Aleph, la première lettre, ok? Aleph. Qu'est-ce que tu dis? Aleph, si tu regardes le signe, comment elle est faite de trois lettres. Yud et Vav au milieu, en oblique. C'est-à-dire le monde d'en haut, l'intelligence, le monde d'en bas, l'action, traversée par l'épine dorsale, traversée par notre colonne vertébrale. C'est-à-dire le Aleph est composé de trois lettres. Yud, Vav, Yud, c'est-à-dire Yud, la lettre la plus petite de l'alphabet, oui. 10, Vav, 6, 6, les 6 sphirotes de Tiferet, et Yud encore en bas, qui est le reflet, c'est comme une glace, un miroir. Et Yud, 10, c'est-à-dire c'est 26. Or, 26, c'est la gématria de Yud, He, Vav, He, qui est le tétragramme. 10, 5, 10, 5. Pardon, 10, 5, 6, 5, 26. Donc, le Aleph, c'est aussi le 26, puisqu'elle est composée de trois lettres. En même temps, c'est le 1. 1, l'unité. Et en même temps, c'est le 1000, parce que Aleph, c'est Elef. Aleph et Elef, c'est 1000. C'est la seule langue où 1 et 1000, c'est le même mot. Maintenant, quand tu dis la lettre bête, c'est le 2, c'est la dualité. Oui. Bête, c'est la maison.
Bet, c'est ce qui contient la création, c'est la forme. Gimel, c'est l'ouverture, c'est la pointe du triangle. Aleph, Bet, Gimel, le 3, c'est la nouveauté, la mouvance, le triangle, tout est triangle. Le Dalet, c'est le 4, c'est les quatre formes de l'univers, les quatre mesures de l'univers, les quatre mesures de l'espace. Dalet, c'est aussi la porte qui s'ouvre ou se ferme. He, le numéro 5, la lettre 5, He, c'est le souffle vital. He, c'est le souffle quand tu respires. Donc c'est une lettre très féminine, c'est en même temps la femme, c'est en même temps, tu vois, tout ce qui est fermé. Et par contre, chaque lettre, par exemple, tu dis le même. Le même, c'est 40. Même, c'est maïm, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est le womb de la femme, l'utérus de la femme. Womb, c'est-à-dire, même, c'est vraiment tout ce qui est lié à la mouvance, à l'eau, à la création. Par contre, le noun, ça va être, le noun, ça va être la lettre de la bina, c'est-à-dire l'intelligence et la langue, le cerveau gauche. Le cerveau droit, chorma, le cerveau gauche, bina. Le cerveau droit, dans le cerveau humain, c'est l'abstraction totale. Le cerveau gauche, c'est la langue, c'est les ors de Broca, l'air de Broca, c'est-à-dire l'air où nous parlons, l'air de la langue. Et chorma et bina dans le cerveau sont en interaction permanente. Cerveau droit, cerveau gauche. Donc quand tu parles des lettres hébraïques, c'est tout un programme. Tu parles des atomes, des molécules, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc c'est pour ça que on ne peut pas étudier ni la Torah, ni le Midrash, ni le Talmud, 70 volumes, ni les 5000 livres de Kabbale. Si on l'étudie en anglais, on passe dans un autre registre parce qu'il n'y a plus de jeu de langue, il n'y a plus rien. Ça recommence à être des signes. Or, les lettres ne sont pas des signes. Elles sont à la fois un nombre, elles sont à la fois tout un monde, chacune. Moi, à Betzalel, à l'Académie des Beaux-Arts, je donne des cours aux étudiants sur les lettres, parce que c'est hallucinant. C'est pendant un séminaire d'une année sur les lettres. C'est hallucinant, les lettres en hébreu. Si tu veux, je t'enverrai des diapositives des lettres hébraïques par la plus grande sculptrice française, Anna Weissman. Tu verras la complexité dans le marbre de ces lettres. C'est tout à fait extraordinaire. Dans mon livre, tu sais, dans mon livre qui est paru chez Verdillion et en italien, L'art juif et la cabale, voilà. Tu as, c'est ça, tu as un chapitre sur les lettres. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, tu vois, ce qui est intéressant, très intéressant, c'est que pour parler de la cabale, il faut savoir que la Torah, la Kabbale, le Talmud, le Midrash, tout ce qui constitue l'hébraïsme, l'écrit de l'hébraïsme, les textes, qui étaient d'abord des textes oraux, il ne faut pas oublier, hein, oui. se déroule sur quatre ou cinq principes. Si on comprend ces principes, on comprend le judaïsme. Le premier principe, c'est le paradoxe. Tout est paradoxe. Chaque phrase de la Torah, c'est un paradoxe. Par exemple, d'un côté, l'homme est fait à l'image de Dieu. Dans le même chapitre, tu retourneras à la poussière, car tu es venu de la poussière. Second paradoxe, Abraham entend une voix intérieure qui lui dit « Quitte la Mésopotamie et va vers la terre de Canaan, vers la terre que je t'indiquerai. » Il arrive là, et un autre peuple cananéen qui habite dans cette terre. Paradoxe. Quand il a Yitzhak, son fils, on lui dit que son projet va passer par Yitzhak. Et quand Yitzhak a 37 ans, on lui demande d'aller le sacrifier sur le mont Moria pour vérifier finalement et mettre fin à ce que les Cananéens pratiquaient, c'est-à-dire les sacrifices humains. Bon, c'est-à-dire que le sacrifice, le non-sacrifice, parce qu'en hébreu c'est le non-sacrifice, la ligature d'Yitzhak, c'est la fin. C'est la révolution qu'Abraham a introduite en Canaan en mettant fin au sacrifice humain que pratiquaient les païens autour. D'accord? Alors, le principe du paradoxe.
Le second principe, c'est le principe de la Shvirat HaKelim, la brisure des vases. Il faut que les vases soient brisés en permanence pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Si on reste constamment dans les mêmes idées, dans les mêmes croyances, dans les mêmes trucs, on devient fou. C'est la fin de tout, c'est la dictature, c'est la folie, quoi. Comme disait Lacan, c'est la folie d'un seul. Le délire, c'est la folie d'un seul, quoi. Et ça, Ensuite. c'est les Zohar surtout ça. Comment? C'est les Zohar surtout ça. Oui, c'est-à-dire que le paradoxe, premier principe, deuxième principe, la brisure des vases. Troisième principe, l'incertitude. L'incertitude. La Kabbale et le Talmud sont en permanence venus te dire que tu dois être dans l'incertitude absolue. Quelle est la définition de la croyance, Emouna, Emouna, en hébreu? Qu'est-ce que la croyance, Emouna? Emouna, c'est Omanout, c'est l'art. Emouna et Omanout, c'est le même mot, c'est la même racine. Omanout, Emouna, la croyance et l'art. Et Imoun, l'exercice de refaire des gammes toute la journée ou de danser tous les jours, faire à la barre, c'est la même chose. C'est-à-dire, la croyance, Emouna, n'est pas ce qu'on croit en Occident, croire en Dieu ou croire en je sais pas quoi, c'est pas ça du tout. La croyance, c'est la forme artistique du travail que tu fais tous les jours pour comprendre que l'univers, l'homme, les galaxies, les atomes, les molécules, la pensée, la matière, c'est un. Nous sommes un. Il y a les mêmes lois de la nature dans l'univers tout entier. L'univers, pas la Terre, l'univers. Oui. C'est-à-dire que les quatre forces de la nature, l'électromagnétisme, la gravitation, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte existent dans toutes les galaxies, des milliards de galaxies qu'il y a dans l'univers tout entier, ce sont les mêmes. C'est pour ça que la physique peut progresser et faire ce qu'elle a fait, les découvertes colossales qu'elle a fait. Maintenant, l'éléphant, la fourmi, l'homme, l'éléphant, la fourmi, l'homme, la souris, la girafe, sont formés des mêmes atomes et molécules, sauf que c'est dans un mode différent de condensation, c'est tout. Mais c'est les mêmes atomes, nous sommes tous formés des mêmes atomes. Nous venons de la poussière des étoiles, nous venons de l'explosion des étoiles, la vie vient de l'explosion des étoiles. Donc il faut comprendre que le principe, le paradoxe, C'est bon. l'incertitude, la brisure des vases, la brisure des vases, le principe de fantaisie et logique mêlés dans le même texte. Le Talmud est constamment dans l'inconscient et le conscient dans le même discours. C'est-à-dire que tu as à la fois le discours très logique, mathématique, scientifique, et tu as un discours qui est totalement onirique, poétique, associatif, etc., en même temps, dans le même texte. C'est pour ça que quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas l'habitude, C'est le quatrième comment? principe, ça, c'est ça? C'est le quatrième principe, c'est-à-dire, le quatrième principe, c'est l'onirique et le logique dans le même discours du Talmud, de la Torah, du Midrash, de la Kabbale. Donc tu as le paradoxe, la brisure des vases, l'incertitude, on a dit l'onirique et le logique dans le même discours. Et enfin, une conception de l'espace-temps qui est phénoménale dans la Torah, dans le Midrash, le Talmud et la Kabbale, une conception du temps qui est l'inverse de la conception grecque. C'est-à-dire que si dans la conception grecque, chez Platon, dans le Timée de Platon, il explique que les atomes sont éternels, la matière est éternelle. Il n'y a pas eu de création. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. La vision du temps de Platon, c'est une vision circulaire, fermée. Oui, ça oui. Et le démiurge est venu pour créer les plantes, les hommes, la nature et les galaxies, etc. Bon. Dans le judaïsme, il n'y a pas du tout ça. Il y a une création, Big Bang,
Bereshit, la Genèse, et il y aura une fin à cet univers. Et il y aura une fin, dans le Zohar, il y aura une fin à cet univers. Quand le soleil n'aura plus d'énergie atomique, le soleil, dans 5 milliards d'années, sera terminé. Et nous serons sur la Terre 8 minutes plus tard que le soleil s'est éteint et nous serons dans un très grand froid dans l'univers. Voilà, ce sera la fin. Donc, si tu veux, la vision du judaïsme, c'est une vision de spirale. C'est un temps qui est dans une mouvance. D'ailleurs, toute la Torah est écrite avec un seul mode, le passé, et un autre, le second mode, le futur. Il n'y a pas de présent. Oui, je sais, ça n'existe pas, le présent. Et en plus, le futur avec la lettre Vav devant se transforme en passé, et le passé avec la lettre Vav se transforme en futur. Donc, quand tu lis le texte de la Torah, chaque verbe a une forme grammaticale de futur, et le sens, c'est le passé. Chaque mot, verbe a le sens grammatical, a le sens grammatical du passé, et tu dois lire le futur. Donc, tu vois, tu es dans un état de mouvance, de rupture, de brisure des vases permanentes. Bien. Voilà, quelle est ta prochaine question? Il y en a... Ah oui, à propos. Il y en a... Giancarlo, il y en a... à propos. Il y en a pour... il y a un livre formidable, j'espère qu'il est traduit en italien, de l'astrophysicien canadien Hubert Reeves, oui. Poussière d'étoiles, c'est sublime. Hubert Reeves, R-I-I-V-E-S. Je le connais. Fantastique, tous ces livres sont fantastiques. Dernière nouvelle du cosmos, Poussière d'étoiles, enfin tous ces livres sont des chefs-d'œuvre. Poussière d'étoiles. Oui. Non, je me suis rappelé que peut-être que je l'ai eu comme client dans mon restaurant à Paris. C'est vrai? Oui, je crois que oui, c'était bien lui. Oui, il a les cheveux blancs. Les cheveux blancs comme ça et des yeux bleus. C'est lui. Mais dis-moi, tu as vécu à Paris longtemps? Et une quinzaine d'années. Ah, ben dis donc, où ça, toujours à Paris? Et oui, Paris la ville, oui. J'étais, ben là c'est encore l'entretien, mais enfin bon, on donne quelques mots à nos ascoltateurs. J'étais à Montparnasse, à côté du jardin de Luxembourg. C'était très beau. Oui, et, très beau. Oui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et c'était aussi un plongeon dans une langue. Moi, j'ai bien rêvé de le faire aussi en hébreu. J'ai rêvé de le faire en allemand pour Freud. Et je l'ai fait qu'un peu. Je l'aurais voulu faire surtout, mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas réussi. Pour Kafka. Et ah oui. En lisant oui. Dostoïevski et en lisant quelques mots en russe, je me suis aperçu que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va lire, nous, quand nous le lisons dans une autre langue, c'est pas ça? Oui, je suis d'accord avec toi. Les sosies, c'est que pour nous, c'est les sosies. En russe, c'est les doubles, alors c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas pareil. On se perd complètement. Donc voilà, la chance au moins de lire Lacan dans sa langue, Sartre, oui. Deux, tu as raison, et d'autres. Oui. J'ai fait un petit effort, pas pour la littérature, avec l'anglais, que c'est la plus loin de chez moi. Et j'ai lu des pages très intéressantes de ce qu'est les textes fondateurs, disons, de Peirce, de Charles Sanders oui. Peirce. J'ai lu son texte sur On a new list of categories, c'est une nouvelle liste de catégories. Et, oui. Mais après, voilà, le temps de la cuisine m'a perdu. C'était. Mais dis-moi, c'est. Oui, mais c'est totalement. Tu veux que je te dise, ta cuisine, elle est totalement
Elle est totalement, non seulement artistique, mais bien sûr, mais elle est totalement spirituelle. Elle est fantastique. C'est rarissime d'arriver à un degré pareil d'art, non, carrément de spiritualité dans quelque chose de matériel. Je trouve que c'est fantastique. C'est très kabbalistique, ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire, elle n'est pas hors de la question des vies, elle n'est pas hors de la question de la langue. Et Voilà. ce n'est pas. Et en plus, on la retrouve partout. Moi, j'avais fait une recherche, je n'ai pas fait sortir, je ne sais pas quoi, mais j'avais fait toute une recherche, toute une enquête autour de la question de la cuisine et de la nourriture dans la Bible, donc pas seulement dans la Torah, mais moi je ne l'ai pas lu en hébreu, et dans les évangiles, qui en plus ils sont, et la raison, Gérard Haddad, les évangiles et en hébreu, ils ont été brûlés. Et nous avons ce canevas qui est une version hellénique et grec. Donc, Ouais. je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de lire, mais même en philosophie, qu'est-ce que nous sommes en train Oui. de lire? Et c'est Oui. vrai ou c'est faux que toute la philosophie a été traduite en arabe, les livres ont été détruits et ont été retraduits de l'arabe avec les mêmes périodes de l'émergence de la Kabbale. Donc nous avons des traductions au Oui, c'est ça le problème. traducteur. Et le problème, c'est que dans la minute où tu traduis, la minute où tu ouvres la bouche, tu es déjà dans une traduction. C'est le Rav Kook qui a dit ça. Dès que tu prononces Aleph, tu sors du Aleph. Le Bet, Guimel, Dalet, tout ça sont déjà des traductions du Aleph. Le Exactement. Aleph, c'est la seule chose que tu ne peux pas dire. Le reste, c'est toujours traduction. Tu es constamment dans une traduction, c'est-à-dire une parchanout, une interprétation, voilà. Oui, nous sommes dans la lecture, on n'est pas. Oui. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et Mais voilà. regarde, c'est très intéressant que quand tu mets des photos sur Facebook de tes gâteaux, de tous les gâteaux que tu fais, la cuisine que tu fais, tu te sers du mot Oui, j'écris. c'est beau. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable, parce que moi, j'adore ça. Oui, tu écris, Oui, mais c'est. c'est une écriture. C'est Et une. ça, c'est très, très typiquement kabbalistique. Tu vois, ça, c'est typiquement vu. J'écris Oui, le gâteau que je fais, tu vois. je crois Mais que voilà, chez nous. là, c'est Et une nouveauté. Je ne l'ai pas trouvé chez des autres, quelqu'un qui dit les plats que j'ai écrits, les gâteaux que j'ai non, écrits. non, Je ne l'ai pas non, trouvé encore, c'est vrai. non, non. Par exemple, imagine que Yves Saint-Laurent dirait les robes que j'ai écrites. C'est bon. Il n'a jamais dit, mais c'est ça, parce que lui, c'était un grand dessinateur. Oui, Les robes que j'écris, c'est les vrai. voitures que j'écris, les plantes que j'écris, c'est ça qui est extraordinaire. On n'écrit pas que des livres, c'est Jabez. Tu connais bien Edmond Jabez? Oui, un peu, oui. Oui. Mais lis-le, 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 c'est fantastique. Le livre des interrogations, le livre des questions, le livre des ressemblances. Je te jure que moi, c'est mon livre de chevet. Edmond Jabez, Oui, tu les cites un toujours, juif c'est vrai. d'Égypte. Même dans tes Un livres. juif d'Égypte qui a quitté l'Égypte en Suez en 56 et qui s'est installé à Paris. Un poète d'une très grande modestie, mais d'une très, très grande lecture, très grande puissance. C'est vraiment, tu sais, je vais te dire deux phrases, ça t'intéresse, je vais te lire deux phrases de lui. Oui, et là, on conclut. Et là, on conclut. Enregistrement, au moins. Voilà, par exemple, il dit, par exemple, le judaïsme et l'écriture me semblent participer d'une même ouverture. Ouverture à une parole que nous sommes appelés à vivre dans sa totalité. Parole d'une parole d'horizon à laquelle nous sommes rivés depuis le premier livre. Ce livre hors du temps, que le temps cependant, sans l'altérer, perpétue, se perpétue en soi-même, en lui.
Et finalement, lire, ce serait briser dans le mot les barrières de nos appartenances. C'est très beau. Lire, ce serait briser dans le mot les barrières de nos appartenances afin de le rendre intact à son initiale et limpide pureté. Tu vois, Jabez, c'est extraordinaire. Oui, Ça va tellement bien avec ta démarche. c'est Ça, très c'est le intéressant, oui. très, très, très intéressant. Voilà. Bien, et je te remercie et Merci à toi, c'était très bien. Et la prochaine fois, on parlera en italien. d'accord. Spero di parlare subito la tua lingua. Vabbè, io farò Che qualche era la mia. Che era mia. sforzo per leggere, parlare impossibile, per leggere un po' più di ebraico, un po' più di questioni. Ah, non è difficile, non è difficile. È una question, è, non è, è, tu sei un italiano? Come si chiama? Di Luca. Tu conosci Di Luca di Napoli? No? Un scrittore. Era un scrittore che era un operaio. Tu lo conosci? Eri De Luca, sì, è entrato. Eri De Luca? Ha imparato l'ebraico da solo? Sì. E l'ho visto a Gerusalemme, lui parla totalmente, è incredibile. Complimenti a lui. Lui legge tutti i testi in ebraico e l'ho imparato molto a 40 anni, io 4-5 anni. Sì, non ho imparato da giovanissimo. No, 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 no. Dunque non è nulla è impossibile. Tutto è possibile se tu puoi scrivere la cucina che tu fai, è possibile imparare l'ebraico perché è questa idea che tutto è scrittura. Scrittura. Bene, Voilà. grazie ancora. Bene, Giancarlo. Grazie. Grazie, grazie a te e a presto.